Hi guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la gamme Macari en fait. Donc c'est une gamme très très bonne que je peux la recommander à certains d'entre vous qui ne voudraient pas éclaircir déjà rapido rapido, vous voyez un peu. Donc la gamme Macari en fait, c'est une gamme vraiment je ne pourrais pas certifier si elle ne contient pas l'hydroquinone parce qu'en l'utilisant, en fait, je n'ai pas eu les symptômes de l'hydroquinone, vous voyez. Donc, pour celles qui veulent l'utiliser, pouvez l'utiliser de manière normale. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais sachez une seule chose, en fait, c'est que les produits éclaircissants, en fait, ne sont pas conseillés en journée parce que le soleil et les acides de fruits ne font pas ami-ami. Vous voyez un peu. Donc, quand vous achetez un produit, essayez de voir si ça contient les acides de fruits. Parce que qui dit acide de fruits veut dire l'ennemi en fait du soleil. Ça va non seulement vous brûler la peau, ça va vous cramer le visage et ça va vous laisser les taches de pigments. Vous voyez un peu. Donc, la gamme Macari, en fait, c'est une gamme que je recommande parce qu'elle coûte cher. Et en même temps, en fait, les résultats sont visibles au bout de 3 semaines à 4 semaines. Si vous achetez un macari, en fait, qui vous éclaircit au bout de 5 jours, vraiment, il faut le laisser tomber parce que les produits de de 5 jours, en fait, ne donnent pas vraiment les jolis résultats. Vous voyez un peu, ça éclaircit là, 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 et puis ça ne marche pas. Donc, comment utiliser, en fait, la gamme macari, en fait? Déjà, de 1, comment reconnaître que c'est le bon produit, tout, 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 tout. En fait, pour reconnaître que c'est le bon produit de chez Macari, il faut regarder d'abord les écrits, d'abord à travers les écrits de Macari, vous allez bien prendre la peine de bien observer les écrits. C'est à partir de là qu'on peut seulement trouver si c'est le bon ou c'est le mauvais. Et maintenant, ensuite, les numéros de série qui se trouvent en bas des contenants, en fait, des produits. Et maintenant aussi, en dernière position, je vous conseille beaucoup plus d'acheter, en fait, vos Macari dans les familles les plus réputés en fait de votre pays, vous voyez. Donc une pharmacie où chacun entre à l'intérieur et que l'intérieur est propre, clean, vous voyez un peu. Et aussi, je vous recommande aussi beaucoup plus d'acheter dans les supermarchés en fait, vous voyez. Dans les supermarchés, au moins c'est rare de trouver de la contrefaçon, des produits éclaircissants, vous voyez, surtout des produits vraiment haut standing. J'ai pas dit des petits supermarchés, non, j'ai dit des grands supermarchés en fait, comme Carrefour, tous ces autres. Vous pouvez trouver des jolis produits comme ça de Macari en fait, parce que Macari ne livre pas ses produits dans les mini marchés, parce que déjà les mini marchés en fait, il y a de la contrefaçon à l'intérieur, vous voyez un peu. Donc voilà le point où vous pouvez trouver vos produits. Comme j'ai dit, Macari en fait, c'est que je peux vous donner le numéro des représentants dans des pays. Je peux uniquement vous conseiller d'aller dans les supermarchés, les plus grands supermarchés de votre pays, et ensuite les grands pharmacies aussi de votre pays où vous pouvez trouver Macari. Maintenant, Macari contient plusieurs produits. Il y a plusieurs gammes de Macari, mais celui-ci, en fait, moi, je vous recommande parce que c'est une gamme qui n'éclaircit pas en 2 jours, en 3 jours. Ça éclaircit à partir de la 3e semaine, 4e, voire même 2 semaines et demie pour ceux qui ont une peau très, très normale, vous voyez un peu. Donc, ça contient le lait, le sérum, les tubes, tous ces autres. Et maintenant, pour ceux qui n'aiment pas les tubes comme moi, vous pouvez seulement prendre le savon, vous pouvez prendre le lait, la crème visage, le sérum et puis le reste, ça va. Vous pouvez le prendre comme ça. Et maintenant, comment l'utiliser en fait? C'est ça le problème. Bon nombre d'entre eux ne savent pas utiliser les laits. D'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le sérum, ils versent dans un conteneur de 500 millilitres en fait, et ils pensent qu'ils auront des résultats comme ça. Non, vous n'aurez pas des résultats vraiment visibles. Vous aurez des résultats après des siècles. Comment utiliser son sérum? La première de son lait, sa gamme, autant pour moi. Dans ce cas, pour ceux qui veulent être économistes comme moi, en fait, ce que moi je fais, je prends un sérum normal de chez Macari avec le lait, tout, 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 tout. Je me lave d'abord normalement avec le savon Macari, je me frotte bien le corps, tout, 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 tout. Maintenant, au moment de me pommader le corps, je prends 2 gouttes de sérum que je verse à la main et ensuite je prends une noisette du lait en fait que je mets dans la main et que je suis bien la main, et puis je me pommade le corps une partie en fait, et ensuite je refais encore la même chose pour l'autre partie et ensuite pour l'autre partie, vous voyez un peu, sans toutefois toucher le visage, vous voyez. C'est comme ça que je fais pour économiser mon lait et mon sérum. Et ensuite, maintenant, côté visage, qu'est-ce que je fais? Je prends par exemple une crème visage et tous ces autres. Et ensuite, je prends mon sérum, j'applique quelques gouttes de sérum sur mon visage, j'étale bien, je tamponne bien, je laisse reposer pendant
pendant 5 minutes, juste comme ça. Et entre-temps, il ne faudrait pas que son visage sèche quand il y a l'eau. Quand il y a un peu d'eau, il faut un peu que ça sèche légèrement avant de mettre son sérum, le tamponner et attendre 5 minutes. Et ensuite, prendre sa crème visage, l'appliquer sur le visage. Vous voyez un peu. C'est ce que moi, je fais. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas magie. Maintenant, pour ceux qui divisent le lait peut-être en trois, tous et autres, et prennent une bouteille de sérum et le versent à l'intérieur, vraiment, c'est du gaspillage. Quand vous le faites comme ça, vous n'aurez pas les résultats à la longue. Vous allez éclaircir au bout de quelques jours et après, à la limite, vous n'allez plus éclaircir parce que le sérum s'est fermenté dans le lait et le lait ne sera plus actif. Vous voyez un peu. Si vous avez remarqué, quand vous éclaircissez au bout de quelques semaines, ensuite, au niveau de la cinquième semaine, vous noircissez. C'est dû au fait que vous faites des mauvais mélanges. Et même ceux qui fabriquent les laits disent toujours que c'est mieux d'appliquer d'abord son sérum sur la main, ensuite de prendre quelques noisettes, de l'appliquer sur la main et de l'appliquer directement sur le corps pour que ça puisse s'appliquer au même moment. Mais si vous voulez maintenant faire du jacques, si vous n'avez pas trop le temps comme ça, faites peut-être un truc de 3 jours ou de 5 jours seulement. Vous voyez, de 3 à 5 jours seulement. Et cela ne devait pas aller jusqu'au 6e jour. Ça passe au 6e jour, il faut jeter le produit. C'est un gaspillage, vous voyez un peu. Donc, voilà comment faire pour éclaircir le teint. Et maintenant, pour ceux qui n'ont pas assez d'argent, vous pouvez peut-être prendre le savon Macari, en fait, qui est efficace d'abord de 1. Et Coachem, il est efficace. Et ensuite, prenez son sérum aussi, qui est hyper efficace aussi. Et maintenant, vous pouvez prendre un autre lait et appliquer la même formule, comme je vous l'ai dit. Et vous aurez des résultats magnifiques. Maintenant, en journée, si en journée, il y a tellement de soleil, vous pouvez juste enlever le sérum, vous régnez normalement et en soirée, vous mettez le sérum dans votre mélange. Et ensuite, quand vous avez fait comme ça, n'oubliez pas que vous allez utiliser l'éclaircissant pendant 3 semaines. À la 4e semaine, vous prenez juste une crème hydratante pour vous hydrater le corps et ensuite buvez assez d'eau. Tant que vous ne buvez pas d'eau, vraiment, les choses ne vont pas marcher. Faites assez de sport aussi également, vous voyez. Et mangez équilibré aussi. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et puis à me laisser un commentaire. Si tu as d'autres préoccupations, si tu as des produits que tu aimerais utiliser et que tu aimerais que je te donne mon avis, n'hésite pas à me le donner en commentaire, d'accord? Alors, porte-toi bien et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je pense que je ferai une vidéo encore peut-être demain ou après-demain. Donc, porte-toi bien et à bientôt. Bye bye.